Assemblée des élus de Paris, nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes. Nous allons commencer notre enseignement. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Nous croyons que le Dieu de gloire va encore nous accorder un temps favorable dans sa présence, car Dieu a prévu ce jour pour que tu puisses écouter cette parole. Le Dieu de gloire est puissant, celui qui nous garde dans sa fidélité. Il est digne de recevoir l'expression de nos cœurs. C'est pour cela que nous sommes là. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais lire d'abord la lecture clé de notre enseignement. Nous sommes en train de continuer cet enseignement sur « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». C'est très, très important. Alors, je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Je prends le verset 2. La Bible nous dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fut de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fit irriter, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais le convié n'en était pas digne. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui le pied et le main et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Notre enseignement, comme vous le savez, c'est il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est là-bas que nous sommes partis pour essayer d'explorer cet enseignement. Donc, ça va aller. Alors, nous sommes partis toucher maintenant notre ami Noé. C'est là-bas que nous avons vu que Noé, au fait, était parmi ceux que Dieu avait choisis. Il était l'élu de Dieu, lui et sa famille. Parmi toutes les nations de son temps, nous avons même montré par les Écritures que Methuselah, n'est-ce pas, Methuselah était là quand Noé était en train de construire l'arche. Nous avons démontré, même le mec était là quand Noé construisait l'arche, même la famille de Noé. Mais cependant, dans l'arche, 5 ans avant, le mec était déjà mort. Et le jour où Noé entrait dans l'arche, ou l'année dans laquelle Noé entrait dans l'arche, cette année même, Methuselah était encore vivant. Et il est mort pendant cette année-là. Mais l'Écriture ne nous donne pas la certitude. Est-ce qu'il est mort par rapport... il est mort sous la pluie ou sous les déluges? La Bible ne le prouve pas. Mais nous croyons que comme il n'était pas entré, en tout cas dans l'arche,
nous avons compris qu'il n'était pas parmi les élus qui devait entrer dans l'arche. C'est ça la certitude. Donc toute personne de la famille de Noé était restée, à part Noé seul, sa femme, ses trois enfants et les trois femmes de fils de Noé. C'est ça les élus en ce qui concerne Noé, c'est-à-dire pour les hommes. Et la fois passée, nous avons parlé sur les élus parmi les animaux. Nous avons dit que Dieu va choisir en fait Noé pour construire l'arche. Et il a donné cette promesse à Noé que nous allons lire. C'est très important, Genèse chapitre 6. Il a dit à Noé, écoutez, Genèse chapitre 6, je prends le verset que nous allons reprendre ici. Genèse chapitre 6, je prends cette écriture, le verset 18. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 6, le verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi, c'est-à-dire Noé. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer là dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Verset 20. Deux oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que l'Éternel lui ordonna. Nous avons dit que toute cette écriture prouve que c'est Dieu lui-même qui est parti dans la forêt. C'est Dieu lui-même qui a prêché les animaux. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui a suscité dans l'instinct, là je suis dans la doctrine, dans l'instinct des animaux de venir vers Noé. Ce n'est pas Noé qui est parti chercher les animaux, non. Ce n'est pas Noé qui est parti choisir qui sera le choix des dieux dans l'arche, non. D'ailleurs, Noé ne sait pas qui est l'animal choisi par Dieu. Quel est cet animal qui est l'élu? Noé ne connaît pas. Ce que Noé s'attendait, c'est de voir que les animaux viennent auprès de lui afin que Noé puisse leur conserver la vie. Ce que Noé devait faire, c'est d'avoir la provision. Je vous ai dit la fois passée, Noé n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Souvenez-vous de l'écriture là, il a dit, j'ai beaucoup de brebis, les brebis entendront ma voix et ils viendront. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'était des animaux qui viennent auprès d'un pasteur. Le véritable Noé, c'est notre Seigneur Jésus. Mais nous avons dit, nous avons aussi donné cette écriture de Jean, chapitre 17. Là où la Bible dit que le royaume des cieux c'est de te connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ. J'ai donné, j'ai montré ton nom au peuple que tu m'as donné. Ce peuple était à toi et tu me les as donnés. Donc nous avons donné cette écriture pour prouver que les animaux ont été prêchés par Dieu. C'est Dieu qui les amène. Très important. C'est Dieu qui amène au fait les animaux auprès de Noé. Noé qui? Noé qui est ici comme les pasteurs. Noé doit se rassurer qu'il a toute la nourriture pour donner à ce peuple. Je descends sur terre parce que c'est là-bas qu'on va terminer la partie des animaux. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous qui sommes de leaders ou soit des pasteurs ou des ministres, je ne peux pas te dire que tu es un élu des dieux dans le vrai sens du mot, dans la pensée de l'Éternel. Parce que c'est seul Dieu qui te connaît. C'est seul le roi des gloires qui te connaît. Moi, ce que je dois voir, c'est ce que nous allons prêcher aujourd'hui. La certitude que moi je dois voir, c'est d'abord, un, tu viens pour manger la nourriture. Là, je suis sur terre. Je prends Noé comme un pasteur normal dans l'assemblée.
Moi, ce que je dois voir, c'est quand quelqu'un écoute l'appel, quand quelqu'un écoute la voix, si tu es la brebis du Seigneur, tu viendras vers Noé. Oh Noé, ici je dis c'est le Seigneur Jésus. Noé, c'est l'enseignement. Donc tous ceux qui vont écouter l'enseignement, ils viendront pour écouter l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui attire les animaux dans la forêt pour venir vers Noé. Pour faire quoi auprès de Noé? Pour manger. Parce que Noé doit les conserver à vie. Or c'est Noé qui conserve la vie, c'est Jésus. Mais sur terre ici, je suis en train de parler aux ministres, les pasteurs. Moi étant pasteur, je ne sais pas si tu es un élu de Dieu. Ce que moi je constate, et tu as quitté le monde, tu es venu pour écouter l'enseignement. Je dois me rassurer que j'ai la nourriture. Je dois me rassurer que j'ai la nourriture pour que tu manges et que tu conserves la vie. Je voulais juste te dire, tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix des hommes. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui t'a élu. Tous les hommes que tu vois sur terre, tous ceux que tu rencontres, il n'y a personne qui te connaît plus que Dieu. Nous les hommes, nous allons juste attester par le fruit qui sort de toi ce que tu es pour nous. C'est très important. Mais pour te dire que tu es un élu, que tu vas aller avec nous, tu dois mettre en pratique toute la parole de Dieu. Donc, un élu, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix des hommes. Un élu, c'est quelqu'un que Dieu lui-même a choisi. Ce n'est pas un homme qui a choisi. Donc là, ça nous donne, en fait, maintenant, accès pour aller voir maintenant les élus pour l'arche de Noé, mais du côté des arbres. C'est très important. Remarquez, on va commencer. Genèse chapitre 6. Donc je parlais les élus pour l'arche de Noé. D'abord les hommes. Je démontrais que les élus qui ont été choisis, c'est Noé et sa famille. Je démontrais ici les élus comme étant les animaux. Parmi tous les animaux de la terre, Dieu lui-même est parti prêcher son peuple. Il les a enlevés là où ils étaient dans la forêt. Ils sont venus vers Noé. Ça, ce sont des élus. Le peuple que Dieu a choisi. Très important. Maintenant, nous allons voir en ce qui concerne les arbres. Comment est-ce que Dieu va choisir parmi tous les arbres un seul arbre qui doit bénéficier de la grâce des élus. Et c'est là-bas que nous allons terminer cette partie de Noé pour rentrer maintenant dans le verset clé, c'est-à-dire dans Matthieu. Alors, remarquez cette écriture. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, lisez avec moi. Genèse chapitre 6, je prends le verset. Genèse chapitre 6. Je prends le verset 14. Ou même avant 14, je monte un peu au-dessus. Le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. J'aime ça. En dedans et en dehors. Permettez-moi ici de monter et après je veux revenir. Dieu a dit, tu vas couper l'arbre qu'on appelle gopher et tu vas l'enduire, c'est-à-dire mettre de l'huile. Ça sera en dedans et en dehors. Je prends d'abord le mot en dedans et en dehors avant d'expliquer les gopher. Dans la Bible, quand tu vois le mot en dedans et en dehors, cela parle de deux peuples. Il y a le peuple du dedans et il y a le peuple du dehors.
Le peuple dit dedans, quand on dit dedans, c'est dans la maison. Bibliquement parlant, le peuple qui était le peuple dit dedans, c'était Israël. Et le peuple dit dehors, c'était toi et moi. Et ça, vous voyez, c'est là. Quand tu vois dans l'écriture, par exemple dans l'Apocalypse, qu'il y avait un livre qui était écrit en dedans et en dehors, c'est-à-dire ces livres concernent deux peuples. C'est le peuple dit dedans et le peuple dit dehors. Maintenant ici, cette écriture, là où on nous parle qu'on doit mettre du poids en dedans et en dehors, je vais toucher deux peuples, mais qu'on appelle élus. Le peuple dit dedans et le peuple dit dehors, mais qui vont former un ensemble et on va les appeler les élus. Pourquoi je veux toucher cette partie? C'est pour aider nos bien-aimés qui n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru que David était un chrétien. Qui n'ont jamais cru que Daniel c'était un chrétien. Nous voulons les démontrer ici qu'ils font partie des élus, mais c'était le peuple dit dedans. Nous, nous sommes le peuple dit dehors. Nous allons former un ensemble et nous serons appelés élus. Très important. Mais je commence par rapport au gopher. Donc Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche avec le bois de gopher. Dans la révélation, comme vous le savez, l'arche de Noé représente l'enseignement, la parole de Dieu représente le Seigneur Jésus lui-même. Mais ici, je veux représenter l'arche de Noé qu'on a construit avec du gopher comme étant le rassemblement des élus. Dieu a dit à Noé, va, fais-toi une arche du bois de gopher. Dieu a dit, fais-toi. C'est-à-dire, ce que tu feras va te sauver toi aussi. Fais-toi une arche. Construis-toi une arche. C'est comme quelqu'un qui disait, fais-toi une pirogue. C'est-à-dire, tu vas entrer à l'intérieur et ça va te sauver. Donc, fais-toi une arche. Donc, Noé sera sauvé par cette arche-là. Alors, ici, pour aller dans les détails de ce que Noé a fait, il faut appeler les témoins pour comprendre que Noé est parti dans la forêt. Il doit couper, au fait, le bois de gopher. Parmi tous les bois, Dieu lui a indiqué seulement un bois. C'est seulement les gopher. Donc, si toi, Noé, tu veux te sauver, si tu veux aller en enlèvement, si tu veux vraiment être sauvé de déluge, le seul arbre qui sera avec toi, c'est l'arbre de gopher. Pas n'importe quel arbre. Faut pas prendre le manguier. Pas de palmier. N'importe quel bois, non. C'est seulement le gopher. Or, le gopher, pour ceux qui savent, c'est un arbre qui détient l'huile à l'intérieur. Gopher, c'est un arbre oléagineux, comme on dit. Donc, à l'intérieur de sa nature, il a la capacité de générer de l'huile. Pas l'huile comestible, mais l'huile en soi. Donc ça découle l'huile. Alors c'est par rapport à cet arbre-là, nous avons compris que si Dieu a envoyé Noé pour aller couper cet arbre, parce que l'arbre en soi va résister au fait, le mélange avec l'eau. Vu que l'arbre contient beaucoup d'huile. L'arbre en soi contient beaucoup d'huile, alors c'est facile qu'il n'y ait pas harmonie avec l'eau de déluge. Parce que l'eau de déluge, c'est les jugements. Donc, il faut qu'il y ait séparation entre le gopher et l'eau de déluge. Donc, le gopher ne peut pas être entraîné par l'eau de déluge. En d'autres termes, le bois de gopher ne sera pas jugé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il détient l'huile. Il n'y a pas ces mélanges-là. Il n'y a pas. Parce que l'arbre en soi, c'est oléagineux, le gopher. Alors Noé doit couper cet arbre. Il doit l'amener. Or, de la même manière que Noé a coupé cet arbre,
ce n'est pas de la même manière qu'il va le placer dans l'arche. Non. Parce que l'arbre en question a beaucoup de branches, a de feuilles. Donc Noé avait en fait le travail de tailler les gophères. Parce qu'aujourd'hui nous allons toucher sur les brisements des élus. Un élu, c'est quelqu'un qui est brisé à l'intérieur et à l'extérieur. Noé doit couper le gopher, il doit enlever les branches pour donner la forme. Parce que tu ne peux pas construire l'arche si tu n'as pas de dimensions. Or, l'arbre que tu as coupé dans la forêt ne peut pas prendre une place dans l'arche si tu ne lui dresses pas, si tu ne le brises pas, si tu ne le tailles pas. Vous voyez ça? Donc l'arbre doit être taillé avant de trouver une place dans l'arche. Pourquoi je dis cela? Peut-être tu vas me demander un témoin. Je vais te donner une écriture pour comprendre que quand on construit l'arche ou la maison de l'Éternel, il nous faut une dimension, il faut tailler. Or celui qui taille l'arbre, on l'appelle en fait charpentier. Donc Noé doit jouer le rôle de charpentier. Ah, je comprends pourquoi Jésus est né dans la maison d'un charpentier pour apprendre à tailler gopher. C'est-à-dire, nous avons un bois qui n'a pas de forme. Jésus est né dans une maison, là où on l'a appris comment donner la forme à un arbre. C'est ça un charpentier. Je prends un roi. C'est là-bas que nous allons nous asseoir pour expliquer l'histoire de Noé. Un roi. Un roi chapitre. Je prends un roi. Un roi chapitre 5. Un roi chapitre 5, le verset 17. Ici, on nous explique comment est-ce que Salomon construisait l'arche. Le roi donna les d'extraire des grandes et des magnifiques pierres de taille pour le fondement de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et de Gibliens, les taillèrent et ils préparèrent le bois et le pierre pour bâtir la maison. Quand on dit préparer, c'est tailler, donner la forme pour que chaque pierre et chaque bois trouvent place dans la maison. Donc ce n'est pas de la même manière qu'on a coupé l'arbre, ce n'est pas de la même manière qu'on va aussi le poser dans l'arche. Non, quand un arbre est coupé, cet arbre vient entre les mains du charpentier, cet arbre vient entre les mains de Noé. Noé doit tailler cet arbre. Parce que c'est Noé qui a la dimension de l'arche, bien-aimé. C'est le charpentier qui a la dimension qu'il doit donner à un morceau de bois. Ce n'est pas au morceau de bois de dire, ne me taille pas ici, taille-moi dans cette forme. Non, tu n'as pas les mesures, bien-aimé. Dieu est en train de nous tailler à l'intérieur et à l'extérieur. Je t'ai monté pour te montrer l'intérieur et l'extérieur, ou soit au-dedans et en dehors. Ces deux peuples, c'est là-bas que je vais te montrer que tous ceux qui vont aller au ciel comme élus, ils doivent être brisés. Tu ne peux pas aller au ciel sans brisement. Remarquez, nous sommes toujours dans le livre de 1 roi. 1 roi, je prends maintenant le chapitre 6. Je suis en train de te montrer qu'un arbre doit être taillé. Et c'est comme ça qu'on va rentrer maintenant chez Noé. 1 roi chapitre 6. Je viens de donner 1 roi chapitre 5, le verset 17 jusqu'à 18. Maintenant, je prends 1 roi chapitre 6, le verset 7. Écoutez bien cette écriture. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendre dans la maison pendant qu'on la construisait. On va d'abord s'arrêter ici. Pour la maison que Salomon construisait, il a appelé les tailleurs de pierre. Ils sont venus, ils ont commencé à tailler le pierre avec quoi? Avec un marteau. J'aimerais te dire que la parole de Dieu, c'est un marteau.
qui nous brise, bien-aimés. Ils sont venus avec de la hache. Une autre écriture avec de la scie. Tout ça, c'est pour donner la taille à la pierre. Parce que quand tu vas prendre une pierre, c'est dans sa forme brute. Mais il faut donner maintenant la pierre, la forme, par rapport à la mesure des tailleurs de pierre. Il faut donner au bois la forme par rapport à la mesure du charpentier. Donc c'est le charpentier qui donne la forme à l'arbre. Or, notre charpentier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les tailleurs de pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il amène sa parole pour nous tailler et nous donner la forme. Tu as été pris brut dans le monde. Dieu t'a appelé. Tu as écouté l'appel de Dieu. Mais depuis que tu es venu dans le Seigneur, tu veux garder tes anciennes habitudes. Tu veux garder le même comportement que tu avais dans le monde. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Tu n'auras pas une place parmi les élus. Parce que les mesures sont tellement bien calculées. Chaque pierre doit recevoir la mesure selon les tailleurs de pierre. Chaque morceau de bois doit recevoir la mesure selon les charpentiers. Mais si tu refuses de prendre la mesure que le charpentier est en train de te donner, comprenez que tu es un rebelle. Tu étais parmi nous parce que tu es en train de refuser. Ou soit tu seras la vierge folle, ou soit tu n'es pas de nôtre. La Bible dit ici, je répète l'écriture, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne firent entendre dans la maison pendant qu'on la construisait. Pourquoi? Parce que toutes les pierres ont été taillées dans la carrière. Wow. L'église aujourd'hui, l'enseignement que nous prêchons, c'est la carrière, là où nous sommes en train d'être taillés par les marteaux. C'est là-bas qu'il y a les cris de douleur. Parce que quand la pierre, on la taille, il y a les sons du fer qui est en train de taper très fort. Pourquoi? Parce qu'on est en train de donner la forme. Quand Dieu est en train de te tailler, il ne faut pas penser que tu seras dans la joie. Ça sera le brisement total. Dieu va t'amener sur un chemin que toi tu ne vas pas aimer. Parce qu'il y aura les sons de pleurs. Tu vas commencer à regretter pourquoi tu as suivi la voie de l'Éternel. Mais parce que tu es le choix de Dieu, Dieu va t'amener jusqu'à la fin pour te donner la taille qu'il faut. Parce que tu dois aller à la maison. Tu dois rentrer à la maison avec la mesure que le tailleur de pierre va te donner, avec la mesure que le charpentier va te donner. Ça fait très mal. Dans la maison, il n'y a pas le son de marteau. Parce que Dieu est en train de nous tailler maintenant. Mais quand il va nous rassembler, nous serons cette maison glorieuse qui va monter à la gloire de l'Éternel. Mais alors que tu es en train de passer avec le Seigneur, tu passes des moments douloureux. Tu passes des moments où le Seigneur est en train de briser ton cœur. Il va ramener des personnes. Tu as pensé au départ que c'était des bonnes personnes. Mais à la fin, ce ne sont pas des bonnes personnes. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais? Comment est-ce qu'ils peuvent se comporter de la sorte? Dieu est en train d'amener ces gens-là juste dans le but de te tailler. Dieu doit te briser. Tu ne peux pas faire partie de l'arche si tu n'as pas la mesure qui vient de Dieu, le véritable charpentier, le véritable tailleur de pierre. Quand on est en train de te tailler, on est en train de te tailler avec le marteau, Dieu est en train d'enlever tout ce qui est du monde. Parce que tu as été pris brut dans le monde. Mais là, quand tu viens à Dieu, il faut que Dieu te donne la forme. Il te donne la forme par le marteau qui est la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'écritures qui le prouvent. 1 Roi,
1 Roi chapitre 7. Je prends le verset 9. 1 Roi chapitre 7. Le verset 9, nous allons lire ensemble avec vous. 1 Roi chapitre 7, le verset 9. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures. J'aime ça. 1 Roi chapitre 7, verset 9. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures. Donc, aucune pierre n'a manqué une mesure. Donc, quand tu vois une pierre taillée là, c'est qu'il y a une mesure dedans. Oh, pour que la pierre ait, en fait, la mesure, la pierre a souffert entre les mains des tailleurs de pierre. Oh, les tailleurs de pierre, c'est notre Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Il nous a taillé, il est en train de nous tailler pour que nous ayons la forme voulue par Dieu. Est-ce que vous voyez ça? La Bible continue. Comment est-ce qu'il nous a taillé? La Bible dit, donc pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, sciées. Est-ce que vous voyez ça? Sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement. Et cela depuis le fondement jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Donc toute la pierre qu'on utilisait pour la construction doit avoir une mesure. Ça c'est un. Deuxièmement, ça doit avoir la forme à l'intérieur et à l'extérieur. Oh bien-aimé, ici nous sommes en train de corriger ceux qui disent que Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Dieu ne voit que le cœur. C'est seulement à l'intérieur. Nous disons non. Dieu regarde à l'intérieur et à l'extérieur, bien-aimé. Ça, tu n'avais pas vu. Dieu regarde à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut que la scie passe à l'intérieur et à l'extérieur. Si ton extérieur ne reflète pas la pierre taillée, comment est-ce que nous allons dire qu'à l'intérieur tu es taillé? Parce que ce que nous pouvons voir, c'est l'extérieur. C'est pour ça que je vous ai dit, l'homme de Dieu ne sait pas choisir qui est élu. Mais l'homme de Dieu peut constater réellement si tu vas aller au ciel ou pas, par tes comportements. Donc ton extérieur doit refléter Dieu. Ton extérieur doit refléter l'enseignement. Quand la Bible dit de s'habiller pudeur, modestie et décence, cela exige à ce que toute personne, que ce soit homme ou femme, parce que les hommes, vous n'êtes pas des instruments pour séduire des femmes. Plus grave encore, un serviteur de Dieu qui s'habille sexy pour séduire des sœurs à l'église. C'est grave. Nous sommes de pierres taillées, sciées à l'intérieur et à l'extérieur. Quand on me voit, je dois refléter mon intérieur. Le juif, le pharisien, l'extérieur c'était des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur c'était pourri. Si ton extérieur ne reflète pas l'intérieur, tu n'es pas un élu. Un élu de Dieu doit refléter que Dieu l'a brisé l'extérieur et l'intérieur. Tu te dis tu es humble, mais quand on te voit, on se dit mais est-ce qu'il est en train de faire la comparaison ou il veut montrer aux gens qu'il a quelque chose? Tu n'es pas humble, bien-aimé. Quand on te voit, on se dit, mais est-ce qu'il y a une concurrence ou quoi? Toi, un enfant de Dieu. Quand on te voit, tout ce que tu fais, ce n'est pas différent de fils d'Anak. Quand on te voit, tu n'es pas différente de fille du monde. Mais tu te dis que tu es élu. Tu te dis que tu es chrétienne. Mais quand on te voit l'extérieur, parce que nous, on ne voit pas l'intérieur. Tu ne peux pas nous dire,
vous ne connaissez pas ma relation avec Dieu. Vous ne connaissez pas ce que j'ai fait avec le Seigneur. Ok, ça c'est l'intérieur. Nous, on ne sait pas. Mais la Bible nous a dit que tu dois être scié aussi extérieurement. C'est là-bas que nous voyons. Quand l'extérieur ne reflète pas l'intérieur, il ne faut pas nous mentir, bien-aimé. Tu ne sais pas t'humilier. C'est toi seulement qui divise. Or, la Bible dit, celui qui rappelle le mal cherche à diviser. Tu es toujours le sujet de la division. Hein, bien-aimé? On s'est dit, mais est-ce que l'intérieur est changé? Le Seigneur a dit, vous avez lavé votre coupe à l'extérieur seulement. Mais à l'intérieur, c'est encore trop sale. Comment est-ce que nous pouvons dire que tu es un élu de Dieu? Mais l'extérieur qu'on voit n'est pas différent de ces filles du monde. Quand les filles du monde mettent des cheveux marrons, des cheveux blancs, toi aussi tu le mets, la même forme, la même coupe. Tu parles, tu marches comme elles. Mais on s'est dit, est-ce que Dieu t'a scié? Parce que tu étais brute. Dieu t'a pris dans le monde, il t'a ramené. Il doit te scier, enlever les parties que Dieu n'a pas besoin. Tu es vraiment sûr que Dieu est content quand tu fais la métamorphose de ta beauté avec les make-up. C'est-à-dire tu mets de poudre, oui ou couche, tu changes ta forme, tu as pris des cils très longs, rouge à lèvres, n'en parlons pas, des cheveux bizarres, mais tu dis tu as l'onction de Dieu, réellement. Mais on ne voit pas l'extérieur qui reflète l'intérieur. Parce que les cils, la scie doit passer à l'intérieur et à l'extérieur, bien-aimé. Où nous sommes chrétiens, où nous sommes en train de mentir au monde. J'ai été étonné de voir un frère qui s'est dit frère, qui est en Hollande. Il s'est dit frère, mais quand tu le vois sur Facebook, quand tu le vois sur photo, il n'est pas différent de Fally. Il n'est pas différent de tous ces musiciens. Mais il se prend tout le temps, frère, je suis frère en Christ. Mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Vous prenez Dieu comme votre oncle, quoi. Voilà, c'est ton oncle. Dieu, c'est dans sa parole. Quand il dit que la scie doit passer à l'intérieur et doit passer à l'extérieur, nous devons voir ça. On ne voit pas, on ne reflète pas ce que Dieu est pour toi. Mais tu reflètes la copie de tous ces gens du monde. Et quand on te regarde, en tout cas, on a pitié. On s'est dit, tu ne reflètes pas le Seigneur. Tu es derrière la mode. Tu suis la mode. Tout ce que le monde fait, c'est ce que toi aussi tu fais. Est-ce que réellement tu es un élu de Dieu qui a reçu la scie à l'intérieur et à l'extérieur? Alléluia. Nous avons besoin de cette scie. Oh Dieu, permet que la scie passe dans mon cœur et que la scie passe sur moi. Quand nous avons la scie dans notre cœur, quand nous avons la scie sur nous, tu brises, tu enlèves tout ce qui est du monde. Que la puissance de la parole puisse réellement te briser. Afin que ton comportement change réellement. Tu dois être différent du monde. Quand on te met à côté d'une fille du monde, quand on te met à côté d'un monsieur du monde, il n'y a pas de différence, il y a un problème. On doit sentir ça. Rentrons chez Noé. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Dieu a dit fais-toi parce que l'arche va protéger aussi Noé. Cette parole, si tu la prêches, comprends que ça va aussi te protéger, te sauver toi aussi. Parce que nous sommes sauvés par la parole de Dieu qui n'est rien d'autre que notre Seigneur.
Je vous ai dit que le bois des gophères, c'est un bois oléagineux, c'est-à-dire qui détient l'huile. Alors Noé doit prendre ces bois, il doit enlever des branches, c'est-à-dire donner la forme à l'arbre. C'est ça le brisement. J'aimerais te dire, nous tous quand nous sommes venus au Seigneur, quand on nous disait qu'il faut se comporter de la sorte avec le Seigneur, c'était dur de le mettre en pratique. Mais parce que c'est le Seigneur qui nous a choisis, nous nous sommes laissés entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur nous brise. Et j'aimerais te dire que tu auras la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, c'est par les brisements. Si tu n'es pas brisé, comprends que l'ennemi va se jouer de toi. C'est par les brisements que ton langage devient très puissant. Celui qui est brisé, il ne parle pas trop. Mais quand les paroles sortent de sa bouche, il y a une puissance qui se dégage. Parce que le brisement amène la puissance et l'autorité. Une personne qui est passée par la souffrance, a compris la souffrance, il peut t'expliquer la chose. Et quand on l'amène, des choses qui ne sont pas, qui ne tiennent pas route, avec l'autorité, il sait recadrer les choses. C'est par le brisement, bien-aimé. Si tu n'es pas passé par le brisement, tu n'auras pas l'autorité dans ta bouche. Quand nous disons aux démons de sortir dans les corps des gens, quand nous disons aux démons de lâcher les vies des gens, c'est parce que nous-mêmes nous sommes passés par la souffrance. Les démons nous ont dérangés dans la vie et le Seigneur nous a sauvés. Et c'est là-bas que nous avons reçu l'autorité. Tu étais esclave des démons, esclave de ce monde. Quand tu sors de là, Dieu va commencer à couper cela. Ça fait très mal. Et quand tu vas te mettre devant quelqu'un qui souffre de ces démons-là, tu as l'autorité de dire à ces démons de sortir. Parce que toi-même, tu l'as vaincu. Tu as vaincu les démons. C'est comme ça que tu as l'autorité, bien-aimé. Tu as la gloire de Dieu qui te revêt. Et quand tu parles, les démons ne voient pas ta personne parce que tu es une personne déjà brisée. Mais ils voient l'onction qui se dégage en toi. La parole vivante et puissante. Et c'est là-bas que les démons ont peur. Mais si tu veux te conformer au monde, mais quand tu vas crier, les démons vont dire, mais attendez, tu nous chasses alors que toi-même tu fais ce que nous sommes en train de faire dans le monde. Tu vois, tu n'as pas l'autorité. C'est comme si tu avais volé avec une personne alors que toi tu es le chef. Devant les gens, tu commences à blâmer la personne que vous avez volée ensemble. Tu vas voir que ta manière de blâmer n'aura pas le pouvoir. Parce que toi-même, tu sais très bien que vous avez volé ensemble. Mais si réellement tu n'avais pas volé et que tu es dans la rigueur, c'est lui qui a volé. Quand tu vas commencer à parler, comme ils savent que tu as l'autorité, ils ont déjà peur. Ils savent que tu vas réagir rigoureusement. C'est comme ça l'onction parle et brisement. Waouh! Si seulement tu savais qu'est-ce que le brisement apporte dans notre vie, si seulement tu abandonnais complètement le monde, tu auras la puissance des dieux extraordinaire, même quand tu vas commencer à parler, bien-aimé. Fais-toi une arche de bois de gopher. Cette arche, en fait, c'était le bois qui avait déjà l'huile. Dieu a créé ces bois avec l'huile à l'intérieur. C'est comme l'olivier. Romains chapitre 11. Remarquez. Romains chapitre 11, nous allons lire ensemble avec vous. Romains chapitre 11. La Bible dit ceci. Je prends cette écriture pour te montrer comment est-ce que Noé est en train de couper les branches. Romains chapitre 11. Je vais prendre une écriture. Je vais prendre une écriture rapidement ici. Romains chapitre 11. Alors, je commence à partir du verset 11. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont branché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse de païens,
combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront? Je cherche là où on parle des oliviers rapidement. Alors, je prends le verset 3. Le verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a donnée-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Ça va? Donc l'écriture que j'étais en train de chercher, c'est là où on parle des oliviers. Donc c'est à partir du verset 23, dans Romains chapitre 11, à partir du verset 23. Et de même, s'ils ne persistent dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Bon, si on commençait juste au-dessus, le verset 22, ou soit le verset 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Je saute. Je prends le verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. J'ai pris cette écriture pour te montrer que l'olivier qui est un arbre oléagineux, Dieu va couper les branches dans le but de prendre maintenant un olivier sauvage et venir greffer. Et ça, vous voyez ça? Donc Dieu va donner une forme à l'olivier et il va prendre d'autres branches qui auront la même forme de là où Dieu avait enlevé. Sinon, ça ne tiendra pas. Dieu était en train de faire les greffages. Dieu ne peut pas te greffer dans les corps des élus si tu n'as pas la forme là où Dieu va te mettre. Parce que c'est lui qui donne la mesure. Donc Noé va couper. Il est en train de couper. Waouh, le Seigneur est bon. Noé est en train de couper. Il est en train de couper. Le Seigneur de gloire est en train de couper. De personnes qui sont en train de nous suivre. Oh, laisse-toi entre les mains du Seigneur. Que le Dieu de gloire puisse enlever les choses qui t'empêchent d'exceller dans les choses de Dieu. La forme qu'il est en train de te donner, c'est ça la forme que lui veut. Tu ne peux pas fuir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Le chemin qu'il est en train de t'amener, bien que ce souffrant, mais Dieu est en train d'enlever les branches qui ne sont pas utiles. Dieu est en train d'enlever des relations qui ne sont pas utiles. Dieu est en train d'enlever les personnes
qui ne sont pas utiles pour toi. Tu ne peux pas avancer avec ces gens-là. Tu n'auras pas eu de place avec ces gens-là. Dieu est en train d'enlever ces relations-là. Dieu est en train d'enlever ces personnes-là. Dieu ne veut pas que ces gens restent avec toi. Ce sont des branches qui t'empêchent d'avoir une place dans l'arche de l'Éternel. Dieu est en train de les enlever. Dieu est en train d'enlever cet orgueil qui t'a mené à être loin de Dieu pour que tu puisses trouver la place dans l'arche. Tu ne peux pas exceller avec ces relations-là. Tu ne peux pas exceller avec ces gens-là. À un moment, Dieu est en train de te dire stop. Tu dois arrêter cette relation. Dieu est en train de te dire stop. Tu dois arrêter avec ces gens-là que tu marches avec eux. Ils ne vont pas t'amener au ciel parce que leur conseil ne t'aide pas. Dieu est en train de te dire, même dans tes songes, d'arrêter le travail que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui ne glorifie pas le Seigneur. Dieu est en train de te dire d'arrêter cela. Plusieurs fois, Dieu t'a montré dans le songe d'arrêter avec tel monsieur. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas t'aider à aller loin. Et Dieu doit couper cette branche-là. Ça fait très mal parce que tu l'aimes. Ça fait très mal parce que c'est une personne que tu considères. Mais Dieu est en train de couper avec la scie. Il est en train d'enlever cette relation. Parce que c'est une relation qui ne va pas t'amener loin, bien-aimé. Dans tes yeux, tu as considéré rien que ce que la fille ou la sœur est. Mais Dieu est en train de te convaincre aujourd'hui que cette personne que tu vois dans ta tête, ce n'est pas une bonne personne, bien-aimé. Parce que c'est une personne qui ne va pas t'amener la vision du ciel. C'est une personne qui va t'affaiblir. C'est très important. Dieu veut que tu puisses aller loin avec le Seigneur, le roi des gloires. Il a besoin que tu puisses entrer dans la dimension de comprendre la grandeur de Dieu. Le Seigneur est puissant. Quand les autres se moquent de toi, quand ces gens te disent pourquoi tu suis ce chemin, comprenez que le Dieu de gloire t'amène loin. Et j'aimerais te donner un secret. Quand Dieu est en train de te briser, quand Dieu est en train de te façonner, faut pas t'attendre que tout le monde va t'applaudir. Faut pas te mettre dans la peau d'une personne que tout le monde puisse te dire bien fait. Il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Il y aura toujours des gens qui vont te traîner pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. Mais si tu sais que ce que tu fais, c'est par la voix de l'Éternel, ce que tu fais, c'est par la volonté du Seigneur, continue, continue. Dieu va enlever, écarter tous ces gens-là jusqu'à ce qu'ils verront ta gloire. Ils verront comment est-ce que le Seigneur va t'enlever. Ils verront comment est-ce que le Dieu de gloire va t'élever au-dessus de la montagne. Quand toutes les branches seront coupées et que tu auras la forme voulu par Dieu. Oh, si seulement tu te laissais entre les mains du Seigneur, que la scie puisse passer à l'intérieur et à l'extérieur, ta vie va retrouver la force en Christ Jésus. Oh, le roi des gloires est puissant. Il veut nous amener loin. Dieu a dit ceci à Noé. Dieu a dit ceci à Noé. Genèse chapitre 6, le verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. En dedans et en dehors. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Nous avons besoin de l'onction. En dedans et en dehors. Là, je suis sur terre.
Parce qu'en dedans et en dehors, c'est les deux peuples. Comprenez que nous irons à l'enlèvement avec les Daniel. Parce que ce sont eux le peuple du dedans que Dieu a choisi pour l'arche de Noé. Ils doivent recevoir cette onction qui va nous amener au ciel. Parce que le poids qu'on a mis au-dessus, c'était du goudron. Dieu a dit à Noé de mettre du goudron en dedans et en dehors pour empêcher que l'eau n'entre pas dans l'arche. Sinon, ils vont faire naufrage. Le goudron en question empêchait que l'eau entre dans l'arche. Ça, vous voyez, c'est là. Or, l'eau du déluge est le jugement. Tous ceux qui vont aller en enlèvement, ils ne vont plus passer au jugement. Le jugement, ce n'est pas pour eux. Parce qu'ils ont le goudron, bien-aimé. L'eau ne peut pas pénétrer. Tu ne peux pas les séparer. L'eau n'a pas d'endroit pour entrer. Parce que nous sommes soudés comme les écailles des crocodiles. Parce que nous sommes frères. Rien ne peut passer, bien-aimé. Parce que nous sommes unis par le goudron qui est le Saint-Esprit, qui est l'esprit de l'enseignement. Le peuple du dedans et le peuple du dehors vont faire un peuple. C'est comme ça qu'ils seront les élus du Seigneur. Ils vont monter en enlèvement. Nous monterons ensemble avec les Daniel. Nous monterons ensemble avec les Ézéchiel. Nous monterons ensemble avec les Esaïe. Nous monterons ensemble avec tous les fils de Dieu qui se reposent. Nous deviendrons un peuple. Parce que nous sommes tous des gophers. Dieu nous avait choisis. Il a mis du goudron pour que l'eau ne puisse pas nous séparer. Il nous a cimentés. Il nous a cimentés par son esprit pour que nous soyons unis. Rien ne peut nous séparer avec le Daniel. Rien ne peut nous séparer avec le Pierre. Parce que nous formons un seul corps. Il y a une partie qui se repose. Bientôt, ils vont se réveiller. Et nous irons ensemble à la gloire de notre Seigneur pour élever le pouls. Oh, Dieu est bon. Les gophers, le seul arbre qui a été choisi. Dieu a laissé tous les arbres. Il a préféré prendre seulement les gophers. Or, les gophers ne peuvent pas entrer en enlèvement comme ça. Il faut d'abord les tailler. Il faut lui donner la forme. Et c'est comme ça que tu seras un véritable élu pour aller au ciel. Parce que Dieu est bon. Oh, le roi des gloires. Tu veux nous briser. Tu veux réaliser en nous, Seigneur, ce qui est ta gloire. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Celui qui nous garde dans sa fidélité. Oui, bien-aimé. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Commence à prier. Commence à élever le nom de notre Seigneur Jésus. Tu vas élever le nom de notre Seigneur Jésus. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Tu connais ce qui se passe dans ta vie maintenant. Tu sais le problème. Tu sais le souci. Tu connais des relations que tu as. Et que Dieu est en train de t'interpeller. Afin que tu évites ces relations-là. Parce que le Dieu de gloire veut t'amener loin. C'est une exhortation que je voulais t'amener aujourd'hui, bien-aimé. Pour que tu puisses comprendre que tu ne peux pas aller au ciel si Dieu ne te donne pas sa mesure. Tu ne peux pas voir Dieu si Dieu ne te donne pas sa taille. Tu n'iras pas au ciel avec ta taille. Tu n'iras pas au ciel avec les mesures que toi-même tu te donnes. Alors tu vas rater l'enlèvement, tu seras parmi la Vierge folle. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Que les dieux de gloire puissent te tailler. Nous avons lu une écriture bien-aimée avant qu'on prie. La Bible dit que quand le marteau rayonnait dans la carrière. Mais quand on a amené la pierre dans la maison, il n'y avait plus de son. Je sais que tu souffres. Parce que les sons du marteau, ça fait trop mal. C'est que Dieu est en train de t'amener sur ce chemin-là. C'est parce qu'il veut t'amener à être brisé à fond. Ça fait très mal. Je suis d'accord avec toi. Mais j'aimerais quand même te dire, c'est la seule voie pour sortir, pour avoir la force et retrouver ta position initiale.
parce que tu seras puissant en parole. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Laisse-toi conduire entre les mains de celui qui te conduit. Il sait pourquoi il t'amène sur ce chemin-là. Il est en train d'enlever les relations qui ne sont pas bonnes pour toi. Parce qu'il veut te tailler. Et quand tu seras sorti, tu seras comme Esther, cette femme qui se présente devant le roi le jour où elle ne pouvait pas entrer dans la présence du roi. Alors tu seras agréé. Parce que le Seigneur va te donner une beauté extraordinaire. Dieu te donnera l'onction de sa parole. C'est là-bas que tu vas rayonner, bien-aimé. Accepte le brisement. Que Dieu puisse te tailler. Tu vas commencer à prier. Commence à élever la voix maintenant. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Prie maintenant, bien-aimé. Commence à prier. Alléluia. Prie. Lisungi, hey, Zala Lula Ningi.